Salut et bienvenue à toi pour ce deuxième épisode du Warcard Playard. Aujourd'hui, on va parler des bras. Dans un premier temps, j'espère que tu as aimé le premier épisode. J'espère que tu as aimé la qualité, les images et le contenu. Parce que pour moi, c'est vraiment important de fournir un bon travail visuel. Et aussi de montrer du beau contenu. Les bras, comment dirais-je sur les bras? Alors les bras, tu vois, c'était mon point fort. Comme tu l'as vu dans mes premières vidéos, d'ailleurs ma première vidéo sur YouTube... Et un entraînement bras, il me semble, hein, biceps, triceps. Mais après, je sais pas, j'arrêtais de les faire. J'avais moins de plaisir à faire les bras. Moi, Dame Jordan, j'avais moins de plaisir à faire les bras. Donc j'arrêtais de les faire et j'ai perdu des bras. Et je prenais de plus en plus de pecs. Et tu sais, en musculation, quand tu prends des pecs, t'es un peu plus large. Bah, t'as l'impression que tes bras, ils sont plus fins, tu vois. Mais quand t'as pas de pecs, t'es en mode trapu, tu vois. Et tu vois que tes bras, ils sont gros. Donc en prenant des pecs, j'avais un gros complexe niveau bras, je m'entraînais en pull tout le temps. Et là, on va dire, j'ai pu rattraper un peu mes bras. Donc, on va dire, mes bras sont redevenus, on va dire, dans le semi-point fort. T'inquiète, dans un mois, c'est point fort. Salon du fitness, c'est un point fort, c'est sûr. Bon allez, je te fais plus attendre, on va voir ensemble mes 4 exercices bras que je fais en salle avec mon gars. Exercice numéro 1 qui est tout simplement le curl biceps avec halter en unilatéral. Ça, c'est un exercice de base. C'est un exercice que l'on voit sur tous les livres de musculation. C'est un exercice qui a toujours été présent. C'est pas un exercice qui a été inventé en 2020. Ça, c'est vraiment l'exercice où tu ressens bien tes bras. C'est un exercice de base, tu vois. Et exercice de base ne veut pas dire exercice débutant, exercice pour les nuls, exercice pas pour les professionnels, non. C'est un exercice où tu peux très bien évoluer et bien progresser faire progresser tes bras avec. Tu vois, comme j'ai dit dans la vidéo, je l'ai fait en unilatéral. Mais tu peux aussi travailler avec les deux bras en même temps. Mais en unilatéral, ce qui est bien, c'est que tu peux être beaucoup plus lourd. Et moi, je ressens une très belle sensation quand je bosse ce mouvement en unilatéral. En pleine séance, ce que j'aime faire avec cet exo là, c'est le bosser en lourd. Tu vois, je fais une série de 8 tranquillement en lourd, je pose les poids, je prends une charge beaucoup plus légère et là je fais les deux bras à l'échec. Faut savoir, les bras, j'aime bien les défoncer à l'échec parce que c'est un petit muscle et faut vraiment bien taper dedans pour les faire ressortir. Moi, faut savoir que je pars d'une base où les bras c'était vraiment dur pour qu'ils viennent. Donc je les ai beaucoup bossé à l'échec parce que j'avais beaucoup de vidéos pour dire qu'il fallait faire à l'échec. Mais le truc, c'est que je fais des vidéos de bodybuilder, de mecs qui peuvent vraiment aller à l'échec. Moi, j'ai essayé tout bien que mal d'aller à l'échec. Mais voilà, je m'entraînais comme ça et je pense que c'est ce qui m'a permis, on va dire, d'acquérir ces bras. Exercice numéro 2 qui est tout simplement le curl biceps barre Z. Alors comme le curl biceps classique, standard, c'est un exercice que tu peux faire assis ou debout, peu importe, tout dépend de ce que tu préfères, tout dépend de ton ressenti, tout dépend de ta stabilité, de ta posture, mais voilà, tu peux le faire assis, debout, il n'y a pas de contraintes. Pour moi, il n'y a pas de meilleure sensation, performance assis ou debout, mis à part si tu t'assois et tu as un dossier derrière toi qui soutient bien ton dos. Là, tu t'aideras moins du dos, donc ça peut être un peu mieux. Mais assis, debout, peu importe. Curl biceps en prise marteau, c'est vraiment un mouvement pour moi aussi qui fait sortir ma veine. C'est un exercice veine aussi pour moi. C'est un exercice où je sens bien la tension au niveau du pic du biceps. Et ça, c'est un exo que dès que je le fais, la conjection, elle vient directement. C'est vraiment un exo que je kiffe. Exo de base aussi, mais un exo que je kiffe. Comme le curl classique, tu peux le faire en unilatéral ou avec les deux bras en même temps. Et ma méthode de travail est pareille que le curl standard. J'aime bien bosser ce mouvement en lourd, en beaucoup plus lourd. Ce mouvement-là, il m'est arrivé de faire une fois 35 kg avec.
Je sais pas comment j'ai fait, je fais une série de 8 à 35 kilos en lourd. Je pose les poids et là, je prends des poids légers. Je prends des 20 ou je prends des 16. Et là, je fais les deux en même temps à l'échec, directement. Exercice 3, qui est le curl biceps barre Z. Oui, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, depuis l'ouverture de cette chaîne, je vous saoule avec la barre Z parce que voilà, c'est vraiment une barre qui a changé mes bras, tu vois. Je marchais avec des Decathlon avec mon daron, tu vois. On a regardé un peu les barres de musculation, j'ai vu une barre Z. Tu vois, j'ai parlé un peu avec mon père et il me l'a acheté. Quand je l'ai emmené à la maison, j'ai commencé à bosser avec. Mes bras, ils ont changé littéralement. J'ai vraiment bien bossé avec cette barre, que ce soit en prise serrée, en prise large, en prise très large. Mais j'ai bien progressé avec cette barre. Et les sensations sont super parce que tu vois, en musculation, tu as la barre droite et la barre Z. La barre droite, si tu veux, c'est une très bonne barre. Mais quand tu mets un peu lourd, tes poignets prennent cher. Or que la barre Z, tu as une espèce de prise, tu vois, légèrement diagonale qui fait que quand tu mets lourd, t'as moins de tension au niveau poignet. Ou du moins tes poignets ils souffrent moins. Tout dépend des personnes, mais moi mes poignets ils souffrent moins. Et vraiment c'est un exo, je le kiffe cet exo là. J'ai vraiment appris à ressentir des très bonnes sensations avec cette barre Z. La barre Z en ce moment, j'ai pas trop de techniques secrètes à te donner, tu vois. Mis à part que j'aime bien mettre lourd et faire des séries de 10 reps. C'est tout. Ou alors parfois quand je suis chaud, mais vraiment quand je suis chaud, je fais 10 reps, je pose la barre Z et je prends des petits haltères, mais vraiment légers. Hein. Je prends du 7-8 kg, je serre mes barres comme ça et je fais du curl vraiment serré à l'échec. Mais ça, c'est rare. Ça, c'est vraiment quand j'ai envie de me détruire les bras. Mais en général, quand je passe à la barre Z, c'est vraiment que je suis en milieu de séance et j'ai pas trop envie de me détruire. Je préfère le laisser pour la fin de séance. Dernier exercice que j'aime bien, que j'aime faire et que j'ai inclus dans mes 4 exercices que je fais avec mon gars Jojo, c'est le pupitre. Alors le pupitre, t'en as plusieurs. T'as des pupitres guidés, t'as des pupitres libres, t'as des pupitres où c'est juste le banc et tu prends une barre, et t'as celui de Technogym. Celui de Technogym, franchement, j'aime pas cette marque, mais j'aime bien le pupitre de Technogym. C'est un pupitre où la première fois que je l'ai vu, c'est au Fitness Park de Pantin, et franchement, je l'ai kiffé. Je l'ai bien massé, je l'ai bien utilisé, j'ai mis des charges, je pense que maximum jusqu'à 70 kg. Et franchement, c'est une machine qui m'a mis bien et qui m'a bien fait progresser niveau bras. C'est notamment, c'est une machine, si tu veux, où avant chaque tournage, j'allais un peu au pupitre, je faisais un petit 20-40 reps et j'étais prêt pour tout ce qui est tournage photo, aller faire du pupitre avant. C'est très important. C'est vraiment la machine à faire. Pour le pupitre, j'ai plusieurs techniques secrètes à te donner. La première, c'est voilà, je soulève lourd, série de 8 répétitions, soit 4 x 8, 5 x 8, et mes 8 répétitions en lourd. Je retire un peu de poids, je continue, tu vois, à l'échec. Première technique. Deuxième technique, je fais une dégressive, une vraie dégressive, où je commence avec une bonne charge. Je retire des poids, moyenne charge, je retire des charges en léger et là je m'arrache à l'échec. Troisième technique, je commence en lourd, je fais une série de 8-10 reps en lourd, je retire des charges jusqu'à mettre une charge plutôt entre moyenne et légère et là je le fais en unilatéral. Tu vois, je fais un bras, hop, où je fais une série de 10 reps et après l'autre bras. Et quand j'ai fini avec l'autre bras, je retire la charge en légère et je fais échec prise serrée. Et là, je peux te dire qu'en faisant ça, tes biceps, tu vas plus les sentir.
tu vas vraiment plus les sentir. C'est vraiment une méthode de travail que j'utilise quand j'ai bien envie de me fumer les bras. Donc voilà, c'était mes 4 bons exercices bras. J'espère que tu as vraiment aimé cette petite vidéo. J'essaierai de détailler un peu en commentaire ce que je viens de dire niveau programme. Ça peut te donner une idée. Sachant que là, voilà, c'est 4 exercices, mais de base, mes séances, soit j'en fais 4, soit je en rajoute un petit dernier, un dernier exercice, soit je fais des variantes. Parce que tu vois, à la salle, c'est rare les jours où je viens avec un programme détaillé et je le fais. Parce que voilà, parfois il y a du monde, parfois c'est un peu compliqué, parfois il y a un exercice que tu n'as pas envie de faire. Donc je bricole un peu, je fais un peu de variante. Donc si tu as envie de suivre ce programme et que tu sens que c'est pas assez à la fin, tu peux rajouter un petit dernier exercice pour te faire plaisir. Et après voilà, tu as les abdos à faire, tu as les lombaires. Donc à ne pas négliger aussi. Sur ce, je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.